je suis Harrison Lay, je suis kinésithérapeute et aujourd'hui je participe à la journée découverte des métiers de la santé. Qu'est-ce qu'un kinésithérapeute ? Il va aider les personnes à retrouver leur vie quotidienne, leur mobilité. J'ai dû animer un atelier où je présentais le métier de kinésithérapeute à des lycéens. J'espère que beaucoup vont s'intéresser à cette voie et peut-être même s'y engager. Je m'appelle Zia Cochet, je suis psychomotricienne diplômée de l'ISRP Paris en 2020. En parallèle, je poursuis également mes études à travers le Master International en psychomotricité et le titre expert en psychomotricité également. Qu'est-ce que c'est que le psychomotricien ? C'est une discipline des sciences humaines qui va s'intéresser à toutes les interactions entre les fonctions motrices, cognitives, sensoriel. J'ai passé un très bon moment et c'est toujours très enrichissant de voir tous ces jeunes lycéens qui ont envie de nous rejoindre dans cette belle profession. Je suis Franck Lemonnier, je suis psychomotricien de formation, directeur des opérations et de la qualité à l'ISRP, l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice. On est heureux de vous accueillir et d'avoir pu faire bénéficier aujourd'hui à plus d'une centaine de personnes présentes les différents métiers par deux conférences pratiques autour de ces différents métiers. Je m'appelle Aurore Gaffet et je suis conseillère en action sociale à la Caisse d'allocation familiale de Paris. Je suis venue ici aujourd'hui pour parler de mon métier et plus particulièrement expliquer les bienfaits de l'alternance. Ça nous permet de vraiment montrer que c'est des métiers qui sont au contact du public et donc j'ai trouvé ça très intéressant de venir présenter ça aujourd'hui. Je m'appelle Julia Gambis, je suis gestionnaire en action sociale et à la relation client. C'est un métier très vaste avec beaucoup de débouchés. Je les encourage à effectuer de l'alternance, c'est très important pour l'employeur. Vous serez assez qualifié pour prétendre au poste. Je suis Denis Boringer. J'ai une quarantaine d'années d'expérience professionnelle et dont une bonne vingtaine dans le commercial et la direction commerciale. Et je suis venu présenter tous les débouchés, tous les métiers que ce BTS MCO permet d'avoir. C'est un milieu qui bouge beaucoup, qui se développe, qui est extrêmement innovant. Cette journée a été, je l'espère, fructueuse pour vous. J'ai eu grand plaisir à vous apporter les éclairages sur ce milieu et l'avenir professionnel qu'il peut vous apporter.